Hi, I'm Bella. I'm here in Montreal. Coming here to give Jen and Jen Show a shout out. Where else can you find us? Right here, dans la cour Montréal. Tout ça, mais c'est pour des artistes haïtiens. C'est Jen and Jen Show. So if you come to Montreal, you don't come and give Jen and Jen Show a shout out. I don't know what else to tell you. Jen and Jen Show is the place to be, the show to watch. It's right here in Montreal on YouTube. Don't forget to subscribe. If you don't subscribe, where else you gonna watch them? You can find them on Facebook. Nah. You can't find them on Instagram. Nah. The place to find them is YouTube. Jen and Jen Show. Come back and give us a shout out. Holla. Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Show parle, show pamela, show nous tout qui regardez nous. Nous connaissons pour faire émission ça, toujours besoin de co-animatrice. Moi, hein? Jen, bonjour. Bonjour Jen, bonjour, bonjour. Moi, très bien, grâce à Dieu. Toujours éblouissante. Comme toi, ma chère. Ah, bonjour. Je te suis. Alors, on a une invitée extraordinaire avec nous aujourd'hui. Alors, c'est Mélanie Bondu. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, merci d'être venue à l'émission de Jen and Jen Show. Merci d'avoir fait l'invitation. D'accord. Merci. Et nous connaissons comme ça que nous toujours dis-nous à subscribe tout le monde qui a regardé nous. Que nous suivons sur Facebook, sur Instagram. Continuez à suivre nous. Continuez by love. Là. À subscribe, à l'abonner, nous nous connaissons. L'un à l'abonner, nous avons une petite cloche en l'air, pas besoin de suspendre. Et puis nous cliquez sur lui. Tout bon bagage, Jen and Jen Show, là, c'est nous-mêmes qui avons joué. Exactement. Et on a profité pour saluer nos amis en République Dominicaine, en Haïti, à Montréal et aussi au Chili. Et nous connaissons toujours by love, là, tout le monde qui est aux États-Unis parce que nous avons pile supporters, nous avons pile monde qui suivent nous. Alors, shout out to everyone in the US. Keep following us, we love you. Et puis c'est ça, et puis nous-mêmes, nous sommes en France, tout côté, dans toutes les Antilles, en Europe. Merci pour le support. Nous. Exactement. Alors, Mélanie, encore une fois, bienvenue à l'émission Jen and Jen Show. Et la question que je vais te poser, la première question, c'est qui est Mélanie? Une Québécoise native natale. Et puis en passant, pour tout le monde qui a regardé nous, nous pas bon, nous pas même rester en français en trois parce que Mélanie nous elle là, c'est bon. Lui dit qu'on ça que sont Québécoises mais sont haïtiennes. Alors là, émission ça n'a viré de français n'a détourné en créole. En créole, c'est ça. Bon, en fait, moi née dans Montréal, Canada. Donc oui, c'est québécois natif natal, mais non comme ça haïtien moyen. Moi c'est haïtienne par choix. So, probablement que j'ai le meilleur des deux mondes, m'ba connais. Mais tu as le meilleur des deux mondes. Exactement. OK, alors vous faites ici, oui. Ça veut dire vous grandissez ici. Vous êtes levé grandi tout bas ici. Et d'après moi-même, pour venir en contact avec haïtien, c'est parce qu'on grandit avec eux quelque part ou du tout? Même pas? Même pas. Wow! Même pas. Moi, je viens dans une famille qui est 100% blanc, famille qui est 100% québécois de souche, okay. Que mon relais. Et puis, c'est pour ça que j'ai un peu de valeur, un peu. Ou même, moi, dans le tempérament, femme, que moi, c'est québécois de mien. Okay. Mais, je ne connais pas qui ça me tombe dans mon pays ici. Oh, nous rêvons ça, nous rêvons ça. Mais Mélanie, depuis quelques temps, je te suis sur les réseaux sociaux. Moi, je suis impliquée en pile avec artistes haïtiens. Tu es toujours là avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais en fait, en réalité? Pourquoi c'est ainsi? Bon, le premier contact que j'ai eu avec Haïti, c'est avec la musique. Mm-hmm. Tout le monde connaît. Moi-même, tombée d'amour pour Mika Ben. Artiste
Une cabane. Alors, c'est artiste préféré dans toute association. Mika Ben, et puis tout le monde connaît. Tout le monde qui est dans l'entourage femme connaît que Mika Ben, c'est un peu ma porte d'entrée avec Haïti, avec la culture haïtienne, depuis ses débuts, depuis since day one. Ok. T'es donc bien d'amour pour monsieur parce que l'été, il y a un style qui était un petit peu zouk, un petit peu compas, un petit peu R&B, un petit genre reggae. Les mixer musique Léo oui. dans toutes sortes de mélodies. Oui, exactement. Okay. Soit avec l'album album Voyage. First album, oui. Bon, t'es tombé dans mon petit, tu viens de voir les gombes, tu vois. Bon, alors ça, c'est un vrai fanatique. Oui, vraiment. Alors, mais quand même, qui j'en vais arriver comme juste venir entendre la musique? Est-ce que ce sont des amis qui font entendre? Oui. Donc, c'est un ami qui nous a quitté maintenant aujourd'hui, son âme qui était arrivé de Haïti. Elle était dans l'école secondaire et puis ils disaient oh même ouais mes musiques ils disaient j'attendais ça et puis l'album là était tout frais là ça venait juste de sortir ok et puis depuis le on tombe en amour avec l'album avec, ouais, avec chanteur oui vraiment et puis on était suivre lui aussi tant avec il était gagnant petit jazz dans Montréal avant oui, ça oui c'est vrai ouais. Comment fait, ça s'appelle pas songer mais ça fait longtemps très longtemps ça fait très longtemps c'est avec Roosevelt à l'époque il était quand chanteur Terry Roosevelt lui est signature lui après c'était comme en 2000 yeah. Ouais c'est ça dans les débuts d'année 2000 ouais. En effet ouais. Ou les raisons. Wow. Mais est-ce au gentiment, est-ce oh bon? Oh, attendez. Vous demandez qui genre va là? Oui, mais commencé. Pas eh ben, c'est ça qui a commencé. Mais ah, ok. Bon, c'est tombé dans mon poids ici pour Mika Ben. Mm-hmm. Et puis ça a apporté une petite curiosité. Ah. Oh. Pour aller chercher. Génique, oui. Donc et puis chercher une autre musique. Bon, à l'époque, okay. On va dire que c'était trop lourd pour moi-même. Des bagarres à prendre lui, c'était très intimidant. Mm-hmm. Ok. Donc j'ai continué avec Mika Ben, Compas Love, Zouk, avec Sly, tout bail qui vient de Zouk, qui vient de la Martinique. Ouais. Ok. Français, son Anderson, Eric Virgal, name it. Et puis avec Compas Love, Alan Cavé, qui était un très bon, you know. C'est le vibe, oui. Et puis, après, tu as gagné un jazz qui était Relly Karimi, un petit jazz qui était Relly Karimi, qui était juste commencé. Et puis, c'était un coup, ils ont compas. Il était plus soi. Nous, quand ils sont compas suisse. Parce que il n'est pas trop. Non, toi, pas trop. C'était plutôt un compas commercial. Okay. Qui était plutôt accessible pour un petit fille blanc qui n'a pas connu rien dans le bail. Compas direct qui était trop lourd. So, j'ai commencé avec Karimi, ensuite ça a été avec les jazz qui connaissent fait compas direct, mais qui connaissent fait compas love tout. Love tout, ok. Zinglin, les petits compas love. Ok. Après ça, bon, petit bail. Tranquillement. Oui. On vient d'écouter plus et plus compas créole qui était devenu créole mix. Créole mix, ça me dit là. Créole. Donc, oui. Donc, c'est là que ma curiosité a commencé. Et puis, j'ai commencé à être impliquée auprès des artistes comme bénévole en backstage, dans l'arrière-scène d'un festival qu'on avait à l'époque. Et puis, j'ai dit, on viendrait mais ça et ouais. Tout adopter ça bougeait puis c'était so, je disais ok Kounia et puis dès là j'ai commencé aider artistes Montréal artistes locaux supporter tout artistes locaux de Montréal depuis 11 ans et puis tout jazz international qui était passé dans Montréal tout était là pour supporter yo by your love et puis tranquillement pas vite j'ai fait yo 360 degrés et puis c'est comme si qu'on pas directement au moins comme ils ont t'es possédé et puis voilà qu'on y a besoin qu'on pas direct chercher ou pas qu'à vivre seul non pas qu'à vivre seul pas négocier ou à négocier pas négocier ou à négocier nous c'est
gros fanatique, on va dire, mais c'est un gros fanatique de bande derrière. Mm-hmm. Parce que bon, musicien, il y a une polémique entre bande devant, bande derrière, parce que bon, guitariste, il dit oh, keyboardiste, il dit oh, bon, si vous pas gain bande devant, ou pas gain mélodie, ok. ou mettre fait petite mélodie, on plug, bon, si vous pas gain bande derrière, ou pas gain qu'on va dire. Si vous comprenez bien, Mélanie, ou dansez qu'on pas bien, tout. Bon, moi essayé. Ou dégager. Ouais. Ok. Mais gros bagay, m'a suivi tout que nous connaissons travail ensemble avec Fabienne Pola. Dans Haïti en Folie, vous impliquez en pile dans ça. Bon, en fait, j'ai commencé l'implication avec Haïti en Folie parce que j'étais manager artiste et puis artiste femme. J'ai performé dans Haïti en Folie. Donc, c'est comme ça que le contact avec Fabienne Pola s'est fait. 10 ans après avoir fait un pile bagage pour artiste, où on était manager artiste, on était bon. Tout ça. On était manager même artiste. Oui, artiste de Montréal, on était assistant manager à l'époque, et puis on était manager Mélodie Musique. On était travaillé un petit bout de temps avec Creole Mix justement. On était manager quelques artistes surtout. On était donné un pile conseil. À jeune artiste qui était commencé qui fait capiner. OK. Bon, gain là-dedans qui t'ai écouté, gain d'autres qui t'ai pas écouté parce que on connaît dans toute barre passé l'eau différent. Mon sont réticents un petit peu de dire OK. Qui s'allie, qui s'allie, mais là où ils ont québécoise blanc qui pas parler créole qui juste vient comme ça sous Etienne et puis ou là ou pas devant et puis pour là pour lui mettre comme si que ou pas bon crédibilité et voilà et voilà et voilà même juste dans un glin c'est Peterson Altimo qui t'a fait bass là parce que à la dernière minute le bassiste de Zinglin t'a gagné un problème il est pas capable là. Oui, ça c'est dernier. On va parler de balles qui sautent faites là le 5 octobre. Exactement. Ouais, exactement. Donc c'est moi-même qui t'ai parlé avec Brutus. Je me dis Brutus, si vous avez besoin d'un bassiste, dis-moi combien. Gagne une pour ou pas. Bon, alors, il était là, oui, ok. Mais bon, pas voulu me mettre blâme sur lui parce que me comprendre lui. Il est pas comme moi. Il est pas comme qui stomme gain avec compas ça avec musique ça avec toute base avec toute HMI là et même elle dit le tambourinant dit oh non Mélanie tu sais le compas c'est différent c'est une musique qui est un peu compliquée c'est on peut pas prendre n'importe qui mais il oublie son gain expérience il est pas comme ça c'est ça il pas qu'à oublier il pas connaît il pas connaît parce que bon il y a UM dans le programme là dans Miami dans New York dans Montréal mais il pas connaît qui background gain dans HMI donc on pas blâmer lui mais en même temps dit Brutus nous gagnons bon bassiste pour et puis ça l'a pris que d'autres musiciens de Montréal, Sweetness, Vlad, shout out, qui dit non, nous gagnons bon, da, 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 et qui ont mis de la pression. Puis moi-même, tout, j'ai été obligée comme d'insister. Écoute, je comprends, respecter les décisions par eux, mais si vous besoin d'un bassiste, nous gagnons bon pour vous, il faut dire qu'il y a là, parce qu'il faut qu'il vienne de Ottawa pour venir faire là. Mm. Et puis finalement, il était essayé de bassiste. Bah, c'est sûr, c'était ok, mais il n'était pas comme le répertoire trop bien. Donc, oui, parce que même oui, si on connaît, oui. Mais on a l'évite parce que Zinglin sont jazz qui ne vivent pas à Montréal. Non, alors, c'est normal, ou même au souterrain. Oui. Et, mais c'est sûr qu'avec ça, c'est sûr que ça bat plus crédibilité et tout. Puis là, il y a plus loin. Ah, mademoiselle connaît de ça, la panne, ils vont quoi. Exactement. Mais en fait, quand il était accepté, bah, c'est sous Bali. Hein? Oui, parce que bon, dès qu'ils l'ont vu, il est arrivé sûr de lui, il avait fait. Moi, j'ai dit, je te le dis, il va arriver ici, il va être
prêt comme si c'est ton bassiste là. Ouais. Et puis monsieur, t'as fait job pas. C'est un bassiste très professionnel. Les jeunes, mais les professionnels, vraiment. Ils comptent ça la tête. Et puis c'est pas pour tout le monde que ma réputation ou non pas non. Dans mm. Bike, là, tu vas. Oui, exactement. Et puis, quand il a passé la porte, elle dit ok, c'est lui. C'est lui. He's the man. Juste comme la façon qu'il est rentré, ça a été dégagé. Donc, il dégage une belle énergie. Ça a fait changer complètement la vision des autres musiciens. Et puis, Brutus s'est parlé avec elle, il a dit deux minutes, puis il dit ok. Je dis Brutus, ouais, j'en ai confiant. J'ai confiance en lui comme ça. C'est comme ça, moi. OK. Et puis finalement, monsieur t'es fait tout gay blanc. Bon, c'est sûr qu'il était gay petit ajustement pendant le show, mais Brutus était tellement content. Wow, donc, c'est bon ça. Oui. Mais une question tout qui vient dans la tête, moi, comme si, en tant que femme, nous-mêmes, tous ces filles, nous venons qui dans le business, non? Est-ce que vous trouvez que son gros challenge lié en tant que fille, est-ce que souvent on sent que bon mur devant qui bloque tout le temps? Tout le temps. Parce que, et puis bon, moi-même, gagnant à l'inverse, gagnant un défi de plus, c'est comme blanc. Ça veut dire qu'on gagne deux défis, parce ouais. qu'on sont filles et parce que au blanche. Oui. Oui. Mais expliquez-nous comme des exemples, comme si nous pas besoin pour nommer non. Mais des exemples que bagay qui rivent comme si que oh bon. C'est parce qu'on fit, c'est parce qu'on oui, bon. Des critiques, des fois quand j'ai une critique, c'est ça. Bon, ou c'est pas musicien ou yé, mm-hmm. ou même pas haïtienne, mm-hmm. ou pas comme musique. Ça c'est les critiques. Ou pas comme musique, mm-hmm. Ou même pas parler créole bien, qui ça ou connaît dans bas ça. Et puis bon, par la force des choses, je suis devenue un peu comme... Bon, pour un peu, je suis devenue média, gagné une chronique à la radio. Pour c'est l'émission du retour à Radio Centre-Ville, Montréal pluriel, pour justement parler des choses qui se passent à Montréal, pour parler des balles haïtiens aussi. Et puis, je connais les artistes depuis 10-11 ans, pour la plupart d'eux, ouais. parce que nous sommes toujours là. So, bon, c'est vrai, et moi, de tout côté, moi à Miami, moi à New York, des femmes disent, oh, Mélanie, à part que tu arrives à Miami. Quel que soit artiste, haïtien, quand tu aimes toujours Mélanie avec eux. Bon, là, tu es depuis n'importe où. On sent là, ça, son bagage besoin. Même besoin de comprendre qui j'en fais. Mélanie, qu'est-ce qu'on est à quelle heure il y a rentré. Là, tu es depuis n'importe où. Premier monde qui a la Getty vidéo. C'est moi-même. Bon, c'est dernièrement, parce que dernièrement, puisque bon, moi c'est média, média, okay. que je me prends faire ça. Parce que je me suis fait ça avant, mais je me suis juste pas prendre vidéo. Vous comprenez? Ok, parce merci que, pour éclaircir bon, ça. Et puis, si c'était un garçon, un monsieur, jamais personne n'aurait dit, oh, regardez, tu blanc ça, tu cousin ça. Parce que tout le monde songeait que c'est parce que je me fais bagaille avec mes musiciens que je gagne place ça. Mais ça son question nous pas venir sur ça. Qui j'en bagaille, l'autre dit bagaille. Aucun bagaille nous parle. Ok, les filles font bagaille mon garçon personnel. Voilà. Okay. Alors, je pensais c'est à cause de ça qui fait qu'on gagne toute importance à eux dans le milieu. Avec oui, ça et puis la majorité du temps, c'est parce que je n'ai pas fait bagaille que bagaille. En 10 ans, 11 ans, je n'ai jamais eu besoin de faire bagaille style pour gain privilège. Okay. C'est pas parce que j'ai pas eu envie, c'est pas parce que j'ai pas eu l'opportunité, c'est pas parce que j'ai pas eu des demandes, mais moi c'est un monde qui est professionnel, c'est un monde qui est dans l'industrie depuis tellement longtemps, me parle de ça. Bagaille important, bagaille important. Parce que l'important son audience parce que c'est pas la première fois que j'entends bruit courir que Mélanie, ça faut être là. C'est bruit que nous entendons sur les réseaux sociaux. Et puis, je ne parle pas parce que je ne sais pas. Je connais qui est vrai. Bon, moi, c'est un humain. Ou son belle femme. Bon, c'est sûr que. Non, ça, c'est obligé. En 10 ans. Merci. En 10 ans,
Je n'ai pas fait aucun bagage avec aucun artiste. Dernièrement, et puis je n'ai pas dit ou avec qui est-ce, mais j'ai gagné une petite histoire avec un artiste. Ok? Tout simplement. C'est pareil qui n'est pas arrivé parce que c'est des liens qu'on crée. Il y a des gens que je connais depuis. Bon, il y a des gens qui m'ont dit oh, mais pour qui ça ou qu'on ça avec TMD? C'est Michel qui chantait dans Criolla Cunha. Mais moi, ça, parce que lui, il voit que nous proches, nous ensemble, et puis il dit oh, c'est pas où tu es prêt à manger, monsieur. Je dis wow, posez-le. Il n'a pas connu comme Connell depuis avant que monsieur était dans Criolla, depuis avant qu'il était dans la première édition, version de Impossible qui était formé à Montréal. Oui, Impossible, c'est Montréal qui était sorti. Il était avec Medji Haïtien. Il était fait un premier album qui était relé à l'aise. C'est depuis là que je connais monsieur. Wow. Ouais. Alors, est-ce que nous tendez mon café des fausses rumeurs? C'est ça fait que nous invitons tout pour éclaircir voilà. Certaines choses. Moi, nous même pas les gens livrer me paquet parce que si toute bail, toute rumeur ça était vrai. Mon Dieu, j'aurais plus de hanches ici pour me déplacer, je veux dire, à un moment donné. Mais aussi, si j'étais un homme, pas gagnant monde qui t'a dit rien. Exactement. So. Mais aussi, dans ce genre de métier, il y a toujours des critiques. On va toujours trouver ça dans ce genre de d'événements, surtout oui. Dans la communauté haïtienne. Les gens parlent pour rien, oui. Les gens critiquent pour rien. Oh mon Dieu, Indien. On a eu beaucoup de critiques nous autres aussi, mais juste le fait que la différence aussi. Mais c'est ça, moi, que c'est ça qui cause un problème. Le fait que. Comment ça, elle est partout? Exactement. Qu'est-ce qui l'attire tant que ça? Pourquoi elle est toujours là? Bon, j'ai des amis proches. J'ai des musiciens qui ne m'ont jamais fait bagarre avec eux. Et puis, nous proches, comme. Nous tricoter les relations pendant depuis 10, 11 ans. Wow. Ça n'a pas commencé. On n'a pas commencé à être comme ça du premier jour. Mais, parce que yo connais que yo met femme confiance, parce que moi, bagay, connais bagay. Il y a moun qui relève sur moun, même pas parler. Je sais des choses, je sais ce que j'ai besoin de savoir. Mm-hmm. Mais j'ai pas besoin de dire les choses des gens. Non, ça c'est nécessaire. Pour moi, je préfère garder mes contacts avec eux, garder mes relations avec eux intactes. Et puis ça, c'est ça qui fait que je suis toujours là, je suis toujours avec eux, je suis toujours dans le backstage, je suis toujours bon. Le mal en Miami, ils sont tellement contents. Ouais, en Haïti, je suis allée en Haïti pour aller voir Crazy Reunion avec Mika Ben. Écoute, ils étaient tellement contents. Si on dit Vin Wem, ils vont me taper pour aller dans l'ambassade. Wow. Pas même Mandel. Un petit retour sur Haïti en folie avec Fabienne Pola. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton rôle dans Haïti en folie? Au départ, comme j'ai dit, c'était vraiment parce que c'était des artistes que je manageais. Mm-hmm. L'an passé, OK, à Montréal, c'est moi qui représentais Bello. Mm-hmm. Dans Montréal. Donc, on était booké Bello pour 2017. Et puis, c'était une journée avec une programmation que c'était seul un artiste que je n'étais pas booké. Tout l'autre, yo, c'était artiste. Mm-hmm. Donc, pour l'édition 2018, les TRM, ils disaient, écoute, besoin. Tu vas t'occuper du segment d'artistes de la relève. Donc, les deux jours d'artistes de la relève, cette année, c'est moi qui les a contactés, qui les a bookés, j'étais manager backstage là en tout. Et puis, depuis février, grâce à Fabienne Pola qui nous a mis en contact aussi, je représente Betova Oba ici aussi. Donc, Betova Oba devait venir faire un show dans Haïti en folie. Donc, c'est moi qui s'est aussi occupée de la gang de Betova Oba et de Emile Michel pour aller les chercher à l'aéroport, les transporter, apporter aux les répétitions, acheter les trucs qu'ils ont besoin pour backstage, et responsabilité. Voilà. Donc, et puis c'est pas n'importe qui. Là. Nous parler Emmanuel Oba, Fabrice Roudier, Emile Michel, Betova Oba, c'est mon gouache qui fait non. Oui. Qui fait non. Quel changement t'es fait à Nissan Haïti en folie? Quel changement lié
Cette année, il y avait un rappeur gospel qui s'appelle Odie Gospel. Oui. C'est la première fois que moi et un rappeur gospel dans Haïti en folie. Bon, c'est la première fois que tu gagnes rap créole dans Haïti en folie. Parce que, ou même ouais, dans Haïti en folie, gagne tout bail excepté le compas. C'est pas parce que Haïti en folie parle mes compas, c'est parce que Haïti en folie, quoi que compas gagne en pile. Scène pour représenter. Donc, il y a un bagage différent pour donner l'opportunité à des jeunes artistes à Montréal, locaux, qui n'ont pas gagné scène. Et puis, il me dit, Fabienne, you know what? Il y a un rap créole à Montréal. Il y a un pile rappeur. Il y a une grande scène locale de rap créole à Montréal, mais il n'y a pas de monde qui connaît. Dans le réseau, rap créole qui est plutôt underground, tout le monde connaît l'un et l'autre, mais sur la grande scène, non, si on dit qu'ils sont songés si nous pas faisons une journée rap créole. C'est toi qui as mis. C'est oui, exactement. Ouais, très belle idée. Au départ, elle dit, t'es certaine? Je dis, Fabienne, je te dis, si tu veux faire différent, apporter la nouveauté, et puis ça a tellement bien fonctionné, nous t'ai choisi seulement 6 dans l'eau parce que il y en avait trop. Donc, je ne sais pas si ça va revenir parce que je sais que Fabienne aime faire quand même différent pour donner l'opportunité à d'autres artistes et tout ça. Mais oui, donc j'avais rencontré RJ par hasard en allant voir un spectacle d'un ami. Donc, ouais, c'est comme ça lié. Et puis, ouais, ça le café. Et j'ai dit, ah oui! Il était saisi tout. Il me dit, maestro, pas là, parce qu'il n'est pas comme moi, rien. Que... Il dit, oh oui, tu comprends le créole? Oh oui, tu connais la musique? Oh oui. Il me dit, ok, maestro, pas là. Je ne pas connaître qui ça pour moi, dis pour qu'il comprenne. Je ne pas connaître. Nous échangeons. Il dit, moi aussi, je fais de la musique et puis tout ça. Et puis, je dis, oh, moi, Bon, message, il est positif. Oui, first, c'est vrai. L'énergie parle, la façon qu'il délivre sa message. Parce que moi-même, c'est pas un monde qui aime ou qui connaît créole haïtien, pas créole haïtien, ça me dit là, rap créole bien, mais on connaît musique. On connaît qui est-ce qui est un show. C'est un show, tu dois avoir une mise en scène, tu dois avoir les musiques. C'est audiovisuel, ça doit contacter. Il y avait des danseurs. Oui. C'était vraiment bien planifié. Oui. Moi, j'étais contente de sa performance, même que les autres d'autres rappeurs qui étaient là ont échangé ses coordonnées avec lui pour peut-être faire des projets futurs. So, we never know, mais c'était une belle découverte pour moi. Ouais. Et puis bon, pour Haïti en folie et d'autres gens qui étaient là. Mais, oui, parce que moi-même, c'est plutôt dans compas direct. Oui. Musique du monde avec bon Bello, Betova Oba, Kikuchi Rasta, même Mélodie Musique, c'était rock, reggae, c'était complètement autre chose, mais bon. Mais là nous parlons pas son bail, comme si que ça sont une rumeur, d'ailleurs, mais juste pour démentir, une rumeur qui a couru constamment que vous êtes avec un promoteur. Jamais. Jamais. Nous ne parlons pas non, mais jamais. Non, on connaît. Et puis, rumeur. C'est pas comme tu as dit tout à l'heure. Bon. Parce que il y a des photos si, même qui m'aiment. Bon, ça, c'est une photo qui était paraît que c'était ça l'idée, mais c'était pas ça. C'était un. Ok. C'était un blague. Il y avait comme un mouvement parce que, bon, parler. C'est. Bon, je sais pas comment. Parce que, bon, on connaît parler sous-tête, mais. Je vais le dire en français parce que je ne sais pas comment l'expliquer en créole vraiment pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous connaissez là, vous faites un selfie et puis vous mettez bouche comme ça. Ok. Il y a le dog face ou le bisou face. C'est ça. So, nous t'ai fait ça et puis il était venu faire une blague et puis il était venu les bas moins, beau moins. Okay. Il a voulu m'embrasser comme une blague et puis je me suis reculée et en même temps il a pris la photo. But, dans la photo, on voit pas le mouvement, mais je suis pas si proche que ça de cette personne-là. On se connaît, on se voit dans les événements, on se salue, pas de problème avec elle, mais nous pas si proche que ça.
c'était une blague qui finalement a mal tourné. Wow. Et puis, je n'ai jamais fait rien avec lui-même. Et puis, c'est... Bon, jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui relève la caméra la nuit. Oui, ça m'a demandé si il la caméra. Il a cherché, il a dit la caméra. C'est vrai, il a dit oui, mais ça, il a dit la caméra. Il a cause de photo ça, mais... que mon yoé, il a dit c'est avec ou lié. Puis, le monde, mais... il a cherché. Pas gagné au monde qui t'a demandé. Il a juste assumé. C'est ça. Et mais bon, il est content. Éclairci ça. Les gens qui veulent croire, croiront. Ceux qui voulaient continuer à croire, ça les croire, mais pas que. Moi-même, je connais que ça qui est vérité. Je souhaitais que tout baille en forme pour lui-même. Mais il n'est pas là quand même. Et puis, il se reproche chez moi. Donc. Bon, alors, est-ce que tout le monde entendait? Point final, discussion ça, parole ça, les clous. Bon, n'a pas mon bon. C'est fini, c'est ça, on a passé sous ça et vous n'avez pas pensé vous deux. Oui, oui, et puis c'est ça me dit aussi. Si vous avez arrêté chaque fois, à chaque petit bagage qui te dit, qui te parlait sous tête, moi, que vous avez fait tu bailles ça, ou avec tel monde qui te dit tel bagage, ou vous avez fait tel autre bagage, autant. Vous avez musicien, vous avez un projet qui. Autre que le jazz dans lequel il est, mais c'est concernant la musique. Ouais. Et puis, moi, ça ne pas connaître. So, c'est sûr que si c'est un musicien qui saute Miami, il vient de Montréal deux fois par année. Si il a ma vie plutôt, n'a pas parlé ensemble, n'a gagné dans ma vie. Ou j'étais ou venir avant au Bible parce qu'on connaît, parce qu'on est à bon relation. Ce qui est normal. Alors, sous ça, il est basé selon rumeur, et puis c'est ça fait qu'on vient perdre du show, hein, si vous comprenez bien. On t'a vu partir avec un musicien. Ok. Oh, wow. Comme toujours. Ça fait longtemps que je me connais ça. Je suis arrivée, puis bonhomme, j'étais avec un musicien, je parlais, je viens avec eux dans Soundcheck, et puis je me tournais avec eux. Et puis, c'est tout. Et puis, ça fait que des fois, dans cette même émission-là, j'ai pu avoir une entrevue avec Nicanson Prudhomme parce que ça fait longtemps qu'on est amis, qu'on se connaît. Et puis, j'ai l'impression même que parce que y a un pire humain qui était fait sous nous, qu'il était prêt à prendre un petit recul pour lui-même. Parce que, of course, ça peut affecter la vie personnelle. La mienne, la sienne, son entourage, son ben, mais... Tu sais? Sauf que des gens qui avaient des opportunités d'entrevue ou qui avaient des opportunités parce que j'avais des contacts prêts avec eux, quand ça les arrange, ils sont bons. Mais là, ils n'ont pas gagné. Là, ils n'ont pas gagné. Ils ont bagaille qui sortent de ça. Pour Kounia, nous, c'est un petit bout d'amis. Est-ce que nous entendez les? Est-ce que nous entendez? Ça veut dire que souvent, on a une mauvaise conception de bagaille. Puis nous, on aime toujours. Même quand ça avec tout le monde. C'est parce que, bon. Ça, c'est notre façon de parler. Ça, c'est notre action. C'est parce que moi, c'est un monde qui aime les gens. Il y a un peu de monde qui nous dit ah, ou même, c'est rasta, oui. Parce que moi, bon avec tout le monde. Moi, j'aime les gens. J'aime les contacts. J'aime toujours la pour tout le monde. C'est parce que c'est qui aime les gens. C'est un monde qui joue bien. Voilà. Et puis, bon, si moi, on me dit c'est un sous-tête, genre, puis j'ai un problème avec. Ma vine sous lit pour aider. Il m'a pas dit ah, non. Parce que j'apporte de l'eau au musicien, parce que je l'aide avec son branchement, parce que je vois que sa guitare va like, it's gonna be unplugged, son vin constant, et puis je tiens son fil pour pas que le show crase, et bien c'est parce que me fait barrer un monsieur. Ouais? Ah. So, ok, me vin. Non, nous comprenons. Nous connaissons dans le milieu, ça gêne toujours qu'elle critique. Et si vous pas accepter la critique dans le milieu, ça. Et puis moi-même, tellement pas sous ça que ça a pris 10 ans avant que je me rende compte des premières rumeurs. Oh. Et puis, il y a même un monde qui dit oh, Mélanie, t'es quoi nous tes amis? Il me dit oui, pour que ça. Et bien, pour que ça, ou t'es pas, me dit que papa petit ou c'est pas lui, c'est pas papa petit, lui, c'est l'autre monde. Je dis wow! Wow, attends moi, qui ça? alors il y a le même bon nom que Papa Petit tout, c'est oui, Petit dit, pour Papa Petit c'est pour l'autre monde. Oui, et puis je dis wow, je me dis ok, bon mais au moment, c'est relevé Papa Petit, moi je me dis ok, si jamais vous tendez un bar comme ça, oubliez ça. C'est pas vrai. Il dit oh, mais t'aurais dû me dire que le vrai père de ta fille c'était un tel. Il dit oh, et puis c'est un musicien qui m'a jamais fait barre, jamais. Ok, ou pas chum, non, y a jamais, c'est parce que nous
te gagne tellement une bonne relation parce que si vous gagne bah bon si vous gagne si vous gagne bah moi je gagne bah ou et puis that's it. C'est ça. Mais comme ça comme un petit monde ou gagne un bon seul gagne deux gagne deux oui ils ont 14 ans et puis ils ont qui pas gagne 9 ans. Et puis c'est petite fille moins qui okay. Québécois haïtienne. Ah ok ok Québécois haïtienne. Ouais. Bon. Donc, mais est-ce que nous toujours ensemble? Non, nous pas ensemble. Mais papa petite lit, c'est pas papa petite. Il veut me connaître avec qui est-ce que me t'ai fait bagarre parce que moi c'est pas un monde qui fait tant que on tire abeille. Ah, qui allait là, qui a la comme ça, qui a le bon Dieu. Non, c'est ça. Donc même bagarre ça, faut vraiment connaître qui me doit fonctionner. Donc voilà. Parce que c'est crédibilité qui est en jeu. Exactement. Et puis bon. Si les gens étaient logiques, en tout cas, c'est ça me croit. Si on était un monde qui fait des autres trucs pour te passer, est-ce que vous croyez que après 11 ans, je serais encore près de ces gens-là comme ça? Je pas croire. Parce qu'ils ont fait attention avec qui mon qui a fréquenté. Voilà. Belle analyse, belle parole. Et puis, c'est ça, c'est pour ça que maintenant, parce que les rumeurs deviennent de plus en plus fortes et insistante que j'ai l'impression que certains prennent leur distance et puis m'pas qu'à blâmer yo, mais ça fait mal parce que moi c'est pas un monde qui est méchant qui parle m'pas aimer parler caca sur mon yo. Bon des fois je vais me laisser emporter ou quelque chose mais là me gagne un bagage que faut régler avec un monde c'est avec lui-même que me parle régler c'est pas avec yon l'autre ou yon l'autre mais aller direct à la source et puis t'as et puis il y a un monde qui parle aimer ça tout mais il y a un monde qui est comme il y a des gens qui parlent même pour ça et puis il y a des gens qui parlent même pour ça parce que je suis directement là. C'est ça que je veux connaître, c'est ça que je veux dire. En bon créole, c'est une femme qui est carré. C'est comme ça que je veux dire la créole. Très carré. Mais là, Kounia, qui sera fait Kounia là, présentement? Bon, juste sauf l'école, fini parce que bon, après 10 ans, encore des messieurs haïtiens d'une certaine année, avec une certaine vision, avec une certaine expérience, qui était gagné 30 ans d'expérience en HM Island à Montréal, me dit « Oh, pourquoi ça vous dit ça fait 10 ans dans HM Island et puis je ne me connais pas? » Eh bien. Parce qu'on t'a supposé connaître. Tu sais? Bon, on va connaître. Mais ben, ça fait 2 ans que moi, essayé par la rue et puis on ne va jamais aller me back. Donc, je dis là, ça suffit. Ça faisait déjà un moment que j'y pensais, même tourner l'école pour faire une Music Business Administration. Nice. Oui, et puis, bon, Kounia me fait. Me songer, bon, je sais pas que. Pas gagné rien que nous cafés encore à Montréal, même songez, me fait. J'ai fait le tour. J'ai représenté des artistes, j'ai aidé des artistes, j'ai managé des artistes, j'ai fait des programmations, j'ai. Comme, bon. Donc, j'aimerais maintenant être tour manager pour un band ou un artiste qui fait du touring. C'est ça me plaît. Ok, alors ça, c'est projet par. J'aimerais beaucoup ça. Me parle de ça. Parce qu'on parle, parce qu'on même là. Les gars en Paris, il est là, il est toujours avec. So, vous mettrez les et puis me parle, m'aller. Wow. Ça, c'est vraiment bien. Ça montre donc que ça va faire. Hein. Ou vraiment prendre la cœur. Moi, j'aime la musique. Si on pas prendre la cœur, on va pas le prendre. Mais oui, parce que poil. Si c'était pas la musique, la musique, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui fait sentir que. Bon, j'ai pas de problème pendant ce temps-là. Il y a pas. Le monde n'a pas de problème. La musique, ça rassemble les gens. La musique fait vivre. C'est joyeux, c'est festif. Ça exprime les émotions. C'est. Je pas qu'à expliquer pour qu'ils savent qu'on pas direct. Fait vivre, moi, tout bas, ça y est, mais c'est qu'on s'allie. C'est s'allie. Ouh, une besoin. Une besoin. Pas à vivre sans lui. Une pas négocier. Et puis, donc, bon, si je suis capable de vivre de lui, c'est pas plus bon pour moi. Donc, bon, je suis pas fermée à autre chose, mais j'aimerais ça. J'aimerais pouvoir aller en Haïti aussi souvent que possible parce que. Bon, il y a un ami qui rêve de Bello qui dit, parce qu'il me dit, Bello, me pas comprendre. Bello chanteur? Oui. Okay. C'est très femme de. C'est, je dis toujours, c'est mon frère de cette autre mère. OK. Donc, il dit, parce que, bon, chaque femme tournée, Montréal, non, elle porte Haïti, puis. Me crier.
m'écrit, on parle avec lui, ou bien tout employé de l'aéroport me dit, oh, c'est votre vol, madame, oui, c'est Air Transat. Air Transat, faut pour aller, ou après t'il, ou pas blâle, ou pas blâle. Et on parle avec lui, oui, j'arrive là, moi j'arrive là, et puis, bon, puis le mal est à ici. Je m'ennuie de mon Québec, de certaines choses, même beaucoup connaît mal du pays pour le Québec. Mm-hmm. Mais on connaît mal du pays pour Haïti. Ça fait y a une boule qui serrait dans l'estomac, dans mon ventre, dans le fond, dans. Pas qu'à expliquer, mais ça fait mal. Et puis il dit, ah, ma chère, c'est parce que vous êtes tombé dans mon Haïti, puis Haïti est tombé dans mon cou. Oui, c'est naturel. C'est naturel. Ça, c'est un coup de cœur. Et puis, vous vous êtes cherché, vous vous êtes trouvé, puis Kounia, c'est comme ça. Nous sommes loin ça. En tout cas, Jen, moi, j'aimais l'émission et moi, j'aimais Jean-Mélanie expliquer. Tout le monde qui a des doutes sur certaines choses, vous croyez que Mélanie éclaircit les bagailles, nous tendez. Pas pour y porter jugement sur le monde, là, nous pensons aux bagailles, pas pour y porter critique. Alors, émission ça, son émission pour tout le monde a pas envie de regarder parce que les premières fois, yo ouais, une femme peau blanche, alors Mélanie, nous t'es contente de ce plateau, hein? Vraiment, nous t'es contente le fait que l'homme t'ait lancé une invitation, t'es d'accord, ou vini. Et on a eu de la difficulté à semaine. Donc, à cause que vous n'avez pas coulé l'école, vous avez dit que vous n'avez pas venu. Après ça, vous avez même contacté, vous avez dit que vous êtes prête. Oui. Et effectivement, vous venez et nous apprécions ça. Oui. Et puis, bon, si tout le monde voulait, ouais, ça me fait connaître là avec mes, bon, médias que moi essayer. Parce que je suis toujours supportée, je suis toujours supportée la musique haïtienne, je suis toujours supportée ça qui est positif dans l'intime, pas jamais parler de bagages qui. Me rejeter, me parler qu'on est parce que ça me fait mal. Haïti belle, Haïti douce, compas c'est une musique qui est puissante. Sur Oumelvin, sur Melomel, dans Facebook ou Instagram, Melomel. Et puis ou pas joindre tout ça me fait. Tout bagaille. Oui. En tout cas, merci encore une merci. Fois, Mélanie. Et puis nous-mêmes, c'est ce que maintenant ouvrir pour. Pour on met vin n'importe lovely dans Jen and Jen show c'est kay pa. Thank you. Alors n'a remercier tout le monde qui t'a regardé nous. Pas oublier me toujours dire à l'abonner nous, à subscribe, compte cloche en l'air, m'a toujours dire depuis nous cliquer sur nous tout bon bagage Jen and Jen show la gay qui est-ce qu'a joindre nous nous-même en premier. Jen and Jen show c'est show pa. Et c'est chose à nous tous. Nous avons un rendez-vous pour une autre émission de Jen and Jen Show. Merci. Au revoir. Jen and Jen Show a shout out. Where else can you find us? Right here, dans la cour Montréal. Tout ça, vous avez besoin de artistes haïtiens, c'est Jen and Jen Show. So if you come to Montreal, you don't come and give Jen and Jen Show a shout out, I don't know what else to tell you. Jen and Jen Show is the place to be, the show to watch. It's right here in Montreal on YouTube. Don't forget to subscribe. If you don't subscribe, where else you gonna watch them? You can find them on Facebook? Nah. You can't find them on Instagram? Nah. The place to find them is YouTube! Jen and Jen Show! Come back and give us a shout out. Hi!